When we talk about decision support systems in within Innovine, we are talking about IPM. We know that IPM today in the European Union is regulated by Directive 128 on the sustainable use of pesticides. This directive contains many different articles, and Article 14 is focused on IPM. In Article 14, in the Annex 3 of this article, there is a list of 8 key principles for IPM, and these 8 principles can be organized in this logical framework. You can see here the different principles, and you, as you can see, the decision-making process is at the core of IPM concerning strategic decision, but also many tactical and operational decisions concerning whether and when it is necessary to protect the crop, how we have to protect this crop. And in this framework, growers in the decision-making process has many questions to be addressed. For instance, is there the risk of infection? If there is a risk, the plant is susceptible to infection, and in which measure? Is the plant already protected by a previous fungicide application? And then, which kind of fungicide should I use, and at what dose? And is the environment suitable for the fungicide application? All these questions need to be addressed, correctly implement IPM. In this context, we need a multiple modeling approach. So we need to combine plant disease models with crop growth models, fungicide efficacy models, dose calculation methods, and then to combine all the output from this model with a multiple criteria decision approach. So I can provide you a very short indication about this. So we are talking about plant disease models, and plant disease models start from the knowledge of the biological system to be modeled. That's, for instance, downy mildew. Then we go to conceptualize biological knowledge, and then we develop the mathematical framework for this model, and we obtain output. Output from this new generation mechanistic models can be very detailed and can provide very, very detailed information to growers with a time step of 1 hour. So about the depletion of oospore dose, germination dynamics of oospores, infection, incubation, and so on. Of course, these models need to be validated against real data. You can see this is an example of validation in different areas of Italy. So the green box mean correct prediction, and the yellow, the orange one are errors. So errors in this case, the model predicts infection, but the infection is not there. So it's an unjustified alarm. And the second kind of error, which is the model says, don't worry, there is no risk for infection, but the infection really occurs. And as you can see, this is what we need. We can accept unjustified alarm, but we don't want to miss real infection. And after that, models should be validated for their utility. This is an example in a 3-year period in a vineyard in northern Italy. The comparison between grower schedule, model-based schedule, these are the different fungicides applied, and this is the disease severity. In the grower schedule, in the
model-based schedule and in the intrinsic control, you can see that in all these cases, but we have many of these data, even when the disease pressure is very high, we can obtain very good results in terms of disease control with a reduced number of pesticide application. So crop growth models, we can use crop growth models to predict leaf development and the different growth stages of the plants in such a way to know about susceptibility of the plant in the different stages and to know the amount of susceptible tissue present into the plant due to ontogenic resistance of leaves in such a way to make informed decisions. Concerning fungicides, we needed to develop models able to predict how the different fungicides are able to protect in a preventative or in a curative manner the pathogen, so to protect the plant against pathogens. And also in this case, we can develop models. This is an example of these models for copper-based fungicides. The efficacy is 100% of the time of application, and then it decreases with the different patterns based on how the plant is growing, based on washing rain, and so on. So dose calculation, there are different methods for calculating the optimal dose to be distributed. This is the example for the three-row volume approach, so it makes it possible to apply the right dose of the product at the right moment. And then we have to combine all of this. You can see, apply a fungicide or not, it depends from the disease risk on the plant, susceptibility on the fungicide I used before, and I have to combine this. We use fuzzy logic for this, and this is an example. I don't enter into the detail. You can see in this comparison that in most cases the fuzzy method is able to suggest to a grower the same advice that an expert technician can provide to him. So this is a complex system. So when we switch from conventional agriculture to full IPM, we need to support growers. To support growers with different tools, information, data, and decision support systems aim to that. So a decision support system is a system in which the crop environment, which include weather, conditions, soil, plant, pest, disease, and so on, the crop environment is continuously monitored, and this monitoring generates a flow of data from the crop to the DSS, and these data are used to feed the model we talked before, in such a way to provide to growers advice. So the decision making is in charge to the grower, and when the grower turns a decision in an action, the crop environment will change. If I have a risk of disease, downy mildew, and I apply a fungicide in a preventative manner against downy mildew, the status of the vineyards changes. There is no more risk of downy mildew because of the treatment. And so in Innovine, we used three different DSS, Vite.net, which is provided by Horta, Epicure by EFV, and Wineo by Novelties. So I stop here my talk. I will talk again because I will show you in very, very few minutes something about the DSS Vite.net. If you want, after lunch,
we can show you how the system works. So I need the slides. Thank you very much. So Vite.net, Vite.net is a DSS for sustainable viticulture. It has been developed between a capacity program in FP7 framework, and then during Innovine we tested, we inserted the new functionalities. So this DSS is powered by Horta. Horta is a spin-off company of Università Cattolica del Sacro Cuore in Italy. The mission of Horta is to transfer results from research to practice. And we do that by developing decision support systems. So these are the four main strengths of our DSS. So there is a continuous flow of information from the vineyard through sensors, through site-specific data inserted by the grower, by through monitoring by different hand health devices, and this information goes to the DSS, feeds the different models, and this, the output of these models are provided in a very clear and easy to manage manner to the crop manager. The second one is that it is a web application. It doesn't need software installation. It is accessible through the web with username and password, and it can be used in the PC, in the tablet, in smartphone, and so on. The DSS is an holistic one. The idea is to insert into the DSS all the key aspects, all the key decisions wine growers has to take during wine growing, concerning protection, water stress, frost, cropping practices, canopy management, and plant growth development, and ripening. So you can see in different colors the status of the different functionalities, from dark gray, they are already into the system, to the light gray, they are under development. So usefulness of the system, so this is, for instance, an inquiry on the DSS users. I don't enter into the detail, they are quite happy about the performance of the DSS. This is an analysis of how the system makes it possible to save fungicides and to also save money. And how also the system is able to reduce the impact of the vineyard management on health and environment. So this is the situation of the use of DSS in Italy. 2016, 300 users, about 6,000 hectares. And we also have some application in Spain, Portugal, Greece, and Israel. Thank you very much for your attention. Je vais vous montrer d'abord une carte qui a été réalisée dans le cadre de ce projet sur un vignoble de 100 hectares dans le Médoc. C'est une carte d'isosensibilité aux maladies de la vigne. Cette carte a été faite a priori à partir de paramètres de viticulture de précision en croisant plusieurs couches d'informations. Trois années de suivi maladie ont montré que ce zonage en fonction de ces zones homogènes que l'on appelle en français UFP, donc des unités de fonctionnement physiologique, ou PBU en anglais. Ces trois années d'études ont montré qu'il y avait une clé de lecture très intéressante entre ces zones et l'apparition des maladies, ainsi que sur le développement phénologique. Alors, à quoi ça peut servir, en fait? Donc, comme il a été dit précédemment, il y a toujours
un viticulteur qui va utiliser toutes les informations qui seront mises à sa disposition. Ces informations vont être mises dans ce que nous avons appelé le plan de traitement optimisé, qui va être un outil d'aide à la décision. Il va se présenter comme une sorte de grosse clé USB qui va contenir toutes les informations, donc à la fois le zonage d'ISO sensibilité aux maladies, et ainsi que la dose à appliquer. Donc cette grosse clé USB pourra être branchée directement sur un pulvérisateur intelligent pour une meilleure pulvérisation intra-parcellaire. Alors comment ça marche en fait ? On peut imaginer ce système comme une équation qui va hiérarchiser plusieurs paramètres qui vont influer sur la pulvérisation. Il y a d'abord tout l'aspect modélisation des maladies de la vigne qui est disponible sur le site Épicure. Ensuite, il y a une évaluation de la biomasse qui peut être faite par des capteurs, donc ceux de Force A qui ont été testés, ou bien par des manipulations de drones avec Noveltis. Ensuite, il faut intégrer la performance du pulvérisateur et le volume de dose, comme le fournit le module OptiDose d'Épicure, et ainsi de suite, on peut intégrer d'autres éléments. Donc tous ces éléments sont mis un peu en musique dans ce qu'on appelle le plan de traitement optimisé, qui va pouvoir fournir une dose d'information de traitement phytosanitaire à un endroit précis, et cette pulvérisation pourrait être faite avec un pulvérisateur intelligent équipé d'un GPS. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ce matin. Je vous remercie. Ce matin, je vais vous présenter rapidement le produit Vinéo que nous avons développé au cours de ce projet InnoVine. Donc, tout d'abord, nous pouvons prendre en charge l'acquisition d'images aériennes sur votre vignoble. Donc, essentiellement, nous travaillons avec des images de drones, mais par le passé, nous avons travaillé aussi avec des images acquises via d'autres vecteurs, donc par exemple avions, où on peut imaginer faire des choses avec des ULM. Et lorsque nous recevons donc toutes ces images unitaires, nous créons une mosaïque sur votre vignoble ortho-rectifié, c'est-à-dire qui prend en compte tous les effets de pente et de terrain. Une mosaïque donc ortho-rectifiée et géoréférencée. Puis nous numérisons l'ensemble des parcelles à traiter afin d'extraire, donc, comme on le voit à droite, une image par parcelle. Une fois que ces phases de pré-traitement ont été réalisées, les traitements à proprement parler et la production des différents produits va pouvoir débuter. Donc tous les produits Vinéo développés dans le cadre d'InnoVine ont été testés et validés dans plusieurs vignobles en France et en Europe. Donc le premier produit généré est une cartographie des rangs de chaque parcelle, donc détection automatique des rangs avec certaines informations concernant la distance inter-rang ou encore l'orientation des rangs. Une fois que les rangs ont été détectés, nous générons un produit de pieds manquants où on détecte automatiquement l'ensemble des pieds manquants sur les différents rangs de chaque parcelle, avec une information concernant le nombre de pieds manquants par parcelle ainsi qu'un pourcentage de manquants à 5% près, qui peut être utile pour les appellations AOC et AOP. Enfin, nous avons développé plusieurs produits concernant la vigueur. Donc, nous avons deux types de vigueur. Premièrement, la vigueur sur les vignes, où nous prenons en compte uniquement les pieds présents pour ce calcul de vigueur-là. C'est-à-dire que les pieds manquants détectés précédemment ainsi que les interrangs ne sont pas pris en compte. La vigueur est calculée uniquement sur les points, sur les pixels de l'image où de la vigne a été détectée, et une interpolation est réalisée pour avoir une carte étendue sur l'ensemble de la parcelle. Donc ceci c'est pour la vigne, et nous avons également une cartographie de vigueur sur l'interrang pour la caractérisation du sol de chaque parcelle, où nous procédons de la même manière, où cette fois-ci, pour calculer la vigueur, nous prenons en compte uniquement les pixels situés sur les interrangs. Donc à droite, nous sortons également quelques informations relatives à la vigueur de chaque parcelle, comme la vigueur moyenne de la vigne, la vigueur moyenne de l'interrang, ainsi que les écarts types de vigueur sur chaque parcelle pour la vigne et les interrangs. Enfin, ces cartes de vigueur sont classifiées en différentes zones homogènes. Donc dans cet exemple-là présenté, il y a deux zones, mais on peut imaginer classifier les cartes de vigueur en un nombre de zones variables, donc ce paramètre peut évoluer.
Et ces cartes-là permettent d'avoir une idée de l'homogénéité intraparcellaire, mais aussi interparcellaire, donc sur l'ensemble du vignoble. Donc le dernier point, donc comment accéder à vos données une fois qu'elles ont été traitées. Donc deux solutions pour cela, soit nous pouvons fournir directement des fichiers KMZ et KML visualisables sur Google Earth, ou des couches géoréférencées, savoir des géotifs ou des fichiers shapefile exploitables par des logiciels de SIG. Ou deuxième solution, Noveltis a créé pendant le projet Innovine et héberge actuellement une plateforme web, donc, dont l'adresse est inscrite à droite du slide. Et sur cette plateforme web, chaque utilisateur peut avoir accès de façon sécurisée à ces données. Donc on vous fournit un login et mot de passe, puis vous accédez à une plateforme avec une fonte de carte Google Earth localisée sur le vignoble. Et sur la gauche, un menu contenant les différents produits vinéo réalisés. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, que vous êtes intéressé par les produits vinéo, je serai heureux d'échanger avec vous cet après-midi au stand Noveltis. Merci.